Salut à tous, c'est Thunder, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Boom Beach Frontline. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Boom Beach Frontline sur cette chaîne. Ça date du 4 janvier 2021. Ouais, je sais, ça date un petit peu, on s'approche du mois de mai. Et je peux vous le dire que ce mois de mai, on s'approche avec un grand pas. Parce que oui, comme vous le savez, si vous êtes joueur Android, vous l'attendez avec impatience cet alpha test. Parce que oui, nous joueurs Android, on pourra jouer à cet alpha test et vivement que je pourrai jouer soit avec vous hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc vraiment c'était la confirmation a été faite, donc oui il faut attendre fin mai pour tester cet alpha test. D'ailleurs si vous voulez rejoindre le Boom Beach Frontline de Discord, je mettrai en description. Il y en a aussi en français francophone, donc si vous êtes francophone, si vous êtes suisse, québécois, canadien, voilà, tout ce que vous voulez, et ben tant que vous parlez français dans ce Discord vous pouvez venir tout simplement. Donc je mettrai les deux Discord en description. Donc si vous voulez venir, et là cette fois-ci je vais vous montrer à peu près tout ce qu'il y a eu comme nouveauté en termes de troupes, en termes de véhicules, de défense. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de troupes, on va pas se le cacher, mais là cette fois-ci je vais vous montrer tout ce qui a pu changer depuis ces derniers temps. On va commencer par les designs. Les designs ont été changés pour le medic et la sniper. Alors pour ma part la sniper je la préfère à celle d'avant, tandis que le medic je le préfère celui d'après. Donc à vous de votre goût. Est-ce que vous préférez celui d'avant ou d'après? Mettez-moi en commentaire quel est le ou celui que vous préférez. Donc là, cette fois-ci, on va parler des défenses. Donc les défenses, il y en a eu pas mal, hein, on peut remarquer dans cette vidéo. Donc là, je vais vous laisser défiler tous les gameplays qu'il y a eu. Il y a la présentation de la défense ainsi que la vidéo qui va venir juste après. Allez, cette fois-ci, je vous donne rendez-vous pour les supports. Allez, je vous laisse regarder pour les défenses. Cette fois-ci, on va parler au support. Cette fois-ci, on n'a pas eu beaucoup de choses en termes de support, mais vraiment, ça donne vraiment le coup. Il y en a un que je préfère vraiment assez, plutôt pas mal. Hein, il est vraiment plutôt pas mal. C'est l'Army Grunt. Vivement que ce jeu sort vraiment. Allez, je vous laisse défiler les gameplays de ces derniers, et puis je vous donne rendez-vous au véhicule. Et enfin, on va parler des véhicules. Et ouais, les véhicules, il y en a eu beaucoup. Vraiment, il y a eu beaucoup qui a été teasé durant ces dernières semaines. Quand il y a eu l'alpha test, on n'a pas eu énormément de véhicules, on va pas se le cacher. Mais là, ils ont vraiment envoyé du lourd parce que certains, ils vont faire beaucoup de dégâts, je le sens. Vraiment, surtout le Bug Buster, je sens que ça va faire énormément de dégâts. Donc vivement que le jeu sort vraiment fin mai pour nous les joueurs Android.
Et pour cette dernière partie de la vidéo, cette fois-ci, on va parler de cette image qui a été mise avec le mortier Medic. C'est pour ça que vous n'avez pas vu de gameplay avec ce dernier, puisque nous sommes mercredi, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et ben, on peut voir cette petite image. Oui, ils ont donné cette image après avec le Medic mortier, parce que là, ça se voit vraiment qu'on se rapproche un peu plus de cette alpha test. Et vraiment, on peut remarquer que là, on peut voir la tête d'une statue d'un guerrier. Là, on peut voir une petite bombe d'un Fire Bomber ou alors ou le Fire Lobster. Vous savez, c'est la petite défense qui lance du feu. Qu'est-ce que ça peut donner comme idée? Alors, à mon avis, peut-être, ça va peut-être être l'écran de chargement du jeu qui va peut-être changer ou je ne sais pas quoi. Peut-être, ça va être quelque chose de nouveau. On s'en rapproche vraiment à grands pas. Pour ce jeu, je le dis vraiment, je suis hype à 100% à ce jeu-là. Donc, quelle idée vous allez vous donner à cette image? Donc, pour l'instant, nous n'avons qu'une partie de cette image. Et je pense que dans les semaines à venir, on va voir l'image complète. Et évidemment, si vous voulez vraiment voir l'image complète, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vraiment voir l'image tout complète. Ou si vous voulez vraiment faire votre propre montage, vous pouvez aller dans leur Discord officiel pour voir ce qu'il se passera dans les prochaines semaines à venir. Malheureusement, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues. Bon, il n'y a pas eu de nouvelles troupes ces derniers temps. Mais je pense que par la suite, ils vont vraiment nous en donner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Thunder. Allez, à plus.